organisé. On est environ 30 000 personnes pour ça, le 8 mai prochain. Et on l'invite, hein, peu importe qui soit de gauche ou de droite. Merci à vous. Alors, je suis ici aujourd'hui pour espérer un peu stupidement peut-être l'élection. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui. Donc je suis un saint citoyen aussi, comme tout le monde, je prends la parole juste pour vous dire qu'on se bat pas seulement contre la corruption, on se bat aussi contre les privilèges. C'est-à-dire que les hommes politiques, depuis des décennies, par exemple, les parlementaires ne payent pas le train en première classe à vie. À vie, c'est gratuit. Et ça, c'est honteux, parce que nous, ça devrait être gratuit aussi pour nous. On n'y arrive plus, vous n'y arrivez plus. Comment vous voulez prendre le train? Ça augmente tous les ans, ça augmente. Je vais vous raconter une histoire vraie. Allez-y. Pas loin d'ici, en bordure du périphérique, à Ivry. Il faut que je lâche. Vous m'entendez là ou pas? Ouais. Pas loin d'ici, sur le périphérique, à la bordure du périphérique, à Ivry, il y a une grande usine avec deux cheminées énormes et d'énormes panaches de fumée. C'est un incinérateur. Et cet incinérateur, ces fumées sont parfaitement toxiques, polluantes, et s'ajoutent à la pollution du périphérique. Même ailleurs, mais il y a 17 ans là-bas. C'est très environnement, et c'est Veolia, deux multinationales de la mondialisation capitaliste qui construisent ça. Et à nos frais, ça va coûter 2 milliards, on va reconstruire pour 2 milliards à échéance de 2020. Et ça, c'est aux frais de tous des habitants de Paris et des communes de la banlieue. Et c'est parfaitement polluant, c'est parfaitement inutile. Si on faisait une politique normale de traitement des déchets avec du recyclage... Vous m'entendez? Ouais. Alors, beaucoup m'ont demandé... Beaucoup m'ont demandé pourquoi aujourd'hui je portais une croix avec les portraits de nos dirigeants de la classe politique. Bien évidemment, ce n'est pas une question de symbole religieux, ça va de soi. Tout simplement, la classe politique dans son ensemble, moi, je le fais au nom du peuple, je les crucifie parce qu'en France, tous les jours, il y a des gens qui sont à la rue, il y a des gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, ils portent leur croix, la société, la classe politique les crucifie, on ne les entend pas, les gens qui souffrent, on ne les entend jamais, quoi qu'il arrive. C'est comme les gens qui travaillent dur, les ouvriers qui se lèvent le matin, on ne les entend pas, ils ne sont pas dans la rue, voilà. Donc au nom d'une France qui souffre, je crucifie l'ensemble de la classe politique, avec vous. De stigmatiser. Maintenant, il faut réunir tout le monde, il faut être tous ensemble, peu importe d'où on vient, le pourquoi, le comment, les causes. Voilà, à un moment donné, le fait pourquoi, c'est nous qui l'avons. Dans la non-violence, bien évidemment, on a le choix. Il y a Kennedy, au moment des élections présidentielles, qui disait ça au peuple d'Amérique. Vous ne demandez pas ce que nous, on peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est ça, qu'est-ce qu'on veut pour demain? Quel avenir on veut pour nos enfants? À un moment donné, on se plaint. Je vois sur les réseaux sociaux, pendant longtemps j'ai dénoncé les réseaux sociaux.
les gens se plaignent, les gens en ont marre. Mais au bout d'un moment, on va dans le mur. Donc il faut être dans la rue. On n'est pas là pour tout casser. On n'est pas là pour faire la révolution. Mais on est là pour être ensemble, tout simplement. À dire stop et à dire non. C'est tout. Ouais, là vous m'entendez, c'est un Toulousain qui vous parle de Paris, je suis de Paris. Je dirais même plus, on devrait être là-bas et foutre le bordel, parce que moi je suis pour la révolution. Je vais vous dire mon étiquette, moi je suis syndicaliste depuis, je suis pré-retraité, je suis syndicaliste et je suis communiste libertaire. Donc voilà, donc moi je suis heureux que nous sommes si nombreux et que j'ai appris le collectif et je suis là pour tous et pour tous. Prenez la parole, n'hésitez pas à combattre cette politique de merde qui nous arrive. Voilà, pour tous pareil. Voilà. Pio, démission, Pio, démission, Pio, démission, Pio, démission, Pio, démission. Tout pour vous, il y a pour le peuple, il y en a. Tout pour vous, il y a pour le peuple, il y en a.